Pasquier, quand vous quittez en 1965 les Arts Déco de Paris, vous ne savez pas encore parmi les formations reçues laquelle vous allez approfondir, musicale ou plastique. Oui, pendant tout le temps de mes études aux Arts Déco, où je travaille la peinture avec Marcel Gromaire et où je travaille la sculpture, je suis encore attiré par la musique et j'organise chaque année plusieurs concerts avec des amis où je joue moi-même de l'orgue ou du piano. Mais en fin de compte, au bout de quelques années, je m'aperçois finalement ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la peinture qui m'a choisi. De la peinture à la céramique, la ligne, la signature, la ligne qui signe, la ligne, l'horizon, la vie ou la mort, la vie, l'avenir, le plus tard, le maintenant et le plus tard. La ligne couleur. La couleur lumière, la lumière couleur. Des morceaux de lumière, des morceaux de couleur, des morceaux de peinture, des morceaux de ciel. De ciel de Bretagne, de ciel breton, de ciel d'Irlande, de ciel du nord ou de ciel du sud. Et la musique encore. La musique des couleurs, la couleur de la musique, la forme de la musique, le piano. Les saisons de la couleur, les couleurs des saisons, les lignes des saisons, la quatrième, la cinquième saison, l'eau et la Bretagne et la mer. Indissociable. Rien n'est abstrait, tout peut se toucher avec les yeux, voir avec ses mains, symétrie, dissymétrie. Bientôt le soleil qui s'approche, après le soleil, la nuit toute bleue, est-ce que c'est la forme qui est découpée en différentes parties, est-ce que c'est des éléments qui se rassemblent pour faire une forme. Encore de la peinture, non, du feu, bien sûr, c'est du feu. Du feu que l'eau ne peut plus éteindre. De la peinture, non, c'est du feu que l'eau ne peut plus éteindre. C'est pour cela que la peinture est plus forte, plus volontaire.
De l'eau, des reflets. Des reflets, de l'eau. Vincent Van Gogh, on pense toujours à toi. La ligne, signature. Vous vous souvenez de ce que disait Valéry, Paul Valéry? L'homme crée sans le savoir, comme il respire. Mais l'artiste se sent créé. Son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie. Quand la peinture se découpe, quand la peinture se découpe, c'est déjà de la sculpture. Quand les formes se découpent, c'est déjà le début de la sculpture. Les planètes, l'espace. Du sable et des pierres dans la peinture. Le début de la matière minérale, le commencement de la sculpture. Cartons de tapisserie, vous les composez ensemble? Effectivement, il est bien difficile de démêler la responsabilité de chacun. Généralement, Noël fait une maquette de départ assez colorée. Lorsque je pense que ça ferait une belle tapisserie, je la retourne dans tous les sens. Je cherche un équilibre intéressant. Parfois, j'y rajoute une touche de couleur. Et lorsque nous sommes satisfaits tous les deux de cette maquette, nous la donnons à exécuter à un atelier. C'est Gainsbourg qui a donc raison quand il dit « Différencier les pasquiers, c'est un peu comme en optique, un changement de focal sur la même plaque sensible, car ils vivent et peignent si près l'un de l'autre que leurs quatre yeux sont devenus interchangeables. » En effet, nos yeux sont interchangeables puisque lorsqu'un carton, c'est-à-dire un projet ou une maquette de tapisserie est prête, ça peut être l'un ou l'autre d'entre nous qui continuons le travail, c'est-à-dire la transcription de ce carton dans des matières de laine ou quelquefois d'autres choses, de ficelles, de fils dorés, de lin, de fils d'argent. Donc le tracé sur la tapisserie définitive, le transfert du modèle en grandeur réelle et ensuite les corrections auprès de l'atelier puisqu'il faut suivre le travail pas à pas. Et c'est quelquefois l'un, quelquefois l'autre, souvent les deux. Le travail de tapisserie est donc en plusieurs étapes, contrairement à une peinture. C'est ce qui en fait toute l'aventure et tout le côté très passionnant pour des peintres. C'est vrai que c'est un peu une aventure parce que l'intervention de la laine apporte un relief supplémentaire et une chaleur, une brillance et une douceur qu'une gouache ne peut pas toujours avoir. Et le fait de suivre à l'atelier la fabrication de nos tapisseries apporte une richesse supplémentaire. C'est vrai que ça, on se fait à nous-mêmes des surprises.
de voir naître une œuvre en laine à partir d'une œuvre en peinture ou en gouache. Pasquier, musicien, peintre, poète, cartonnier de tapisserie et de mosaïque, jusqu'où nous emmenez-vous ? Vous ne devinez pas ? Moi, je crois que tout cela nous amène dans la planète volume, c'est-à-dire à la sculpture, à tout ce qui est mural et monumental. Des couleurs qui s'aiment, des formes qui s'aiment, des couleurs qui tournent, des formes qui tournent et qui s'aiment. Toute idée, toute composition est comme une colonne qui monte toujours, puisque là où nous regardons, c'est tout le temps vers le ciel. Des sculptures monumentales. Ce que nous voyons sont des maquettes de sculptures monumentales, géographiquement éloignées les unes des autres.
Le monde de la sculpture est illimité, de par les matériaux. La pierre, le bronze, le métal. Finalement, tout, même la sculpture dans son espace, peut se résumer à une ligne parfaite.